Hey, c'est JMD 96.9. On est en direct du Festival Édition 2022. On s'est déplacé sur le site. On parle aux gens pour savoir leurs impressions sur le festival. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les manèges? Qu'est-ce qu'ils ont mangé, la halte bouffe? Leur impression sur l'implication de Desjardins, les spectacles qui sont venus voir le festival. Il se passe plein de choses ici. Fait qu'on s'en va pour vous voir sur le terrain les gens qui y sont. Et comment vous trouvez le festival jusqu'à maintenant? Que c'est la première fois que vous venez au festival à Saint-Jacques-Sostombe? Pas du tout. On habite proche, nous. OK, en tout, c'est la première fois. Ouais. Et puis, tu sais, c'est quoi votre manège préféré? Fireball. Ah ouais, les trois. Ouais. Avez-vous toutes faites les manèges? Ouais. C'est quoi? Vous, ce que vous aimez le plus, c'est les manèges? Ouais. Ça, les manèges? Oui. C'est quoi votre manège préféré? Le fireball. Oui, je l'ai fait. Oui. Oh, oui, oui. Le plus dangereux, c'est elle là-bas. Le Fireball. Vous allez, êtes-vous venu voir des spectacles? Ouais, ben ça, on va y aller. Puis Marie-Mé. Vous êtes venu voir Marie-Mé? Ouais. Comment c'était le spectacle? C'était genre, les confettis, c'est vraiment cool. On est allé voir le 8-3 hier. On est allé voir Cage the Elephant jeudi, la journée d'avant. Deux très bons shows en plus. Là. C'est, à date, la programmation est toujours excellente aussi. Il y a tout le temps un petit peu qui va chercher des intérêts de tout le monde. Là. C'est ça qui est vraiment agréable. Là. Voir des spectacles? Ouais, je suis venu voir le spectacle de BMX là, qui a fait. Okay. Comment vous trouvez l'édition du Festival 2022 jusqu'à maintenant? Ah, je trouve que c'est bien pour la famille. On se fait du fun, on passe du bon temps au show. Bien, après 2 ans d'attente, c'était super. Oui. Puis pour les enfants aussi, c'est super. Ah oui, c'est-tu dans vos habitudes normalement de toujours venir au festival? Vous êtes venu plusieurs fois? Bien, on vient depuis qu'il est jeune, depuis au moins 10 ans. Ouais. C'est un classique, on reste à Saint-Jean. Bon, tout le jeu, c'est bon, la sécurité est vraiment bon. À date, je trouve que, ben, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de nouveautés par rapport à la dernière fois où j'étais venu. Je parle des manèges, je parle des installations. Je trouve que l'installation est vraiment bien disposée. Là. C'est vraiment le fun. Il y en a un petit peu pour tout le monde, tous les âges aussi. Pis... Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que Desjardins se soit impliqué comme ça? Ah ben je trouve que oui, ils font partie, ils font partie de la Rive-Sud énormément. Puis je pense que c'est important qu'ils soient présents dans des événements comme ça. Là, tellement, puis c'est un bel événement familial en plus. La fois que vous venez au festival? Non, ça fait en tout cumulatif 15 ans que je suis bénévole. Oh! 15 ans de bénévole au festival! Félicitations! Toujours apprécié de l'implication dans la communauté. Est-ce que vous êtes venu voir des spectacles au festival? Hier, j'étais allé voir Marie-Mé en avant-scène, VIP, puis j'ai bien aimé mon expérience. Elle est revenue proche de nous, puis elle nous a donné la main, puis etc. Puis c'était très agréable. Vous êtes venu voir des spectacles jusqu'à maintenant? Non. Allez-vous venir en voir, vous pensez? Non. En plus, c'est pas grave, chacun. Vous faites plus des manèges? Ouais, c'est ça, les manèges plus excités pour les enfants. Là. Il y a un coin... avec des bulles et tout, il y avait un spectacle de BMX. Avez-vous mangé ici dans la halte bouffe? Oh, oui, oui, oui. On a mangé une pizza et j'ai mangé 6 churros. Une pizza et 6 churros. Ouais. Toi, t'as mangé quoi? Du sucre. Ah, c'est bon, le bon vieux sucre. Avez-vous fait des manèges? Elle en a fait 2, puis moi un. Puis vous faites le Fireball, qui est très populaire cette année là-bas, là? Oh non. Êtes-vous venu voir des spectacles? Oui, ben pas elle, mais oui. Hier. Hier? T'es venu voir Marie-Mé? Oui. Oui. C'était-tu bon? Oui. C'était fun? Oui. Oui, c'était Cage D à la fin d'avant-hier. Okay. Puis demain, je vais aller voir les Cowboys. OK. Première fois au festival? Moi, oui. Première fois, est-ce que vous êtes de Lévis, de la région? Ben moi, je suis au lac Saint-Charles, là, puis elle, je sais plus à Québec. Oui, juste à Charlebourg. Charlebourg, OK. Oui, c'est la première fois. Oui. Première fois, est-ce que vous connaissiez l'événement avant ou vous n'avez jamais entendu parler? Oui, je le connaissais, moi. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler? Puis comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Bien. As-tu fait des manèges? Oui. Lesquels? Celui qui tourne quand c'est son nom? Himalaya. OK. As-tu fait le Fireball qui tourne? Celui-là, il est populaire. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Ça crie beaucoup pendant que ça roule aussi, ce manège-là. Non.
Non? Trop effrayant. Ah, OK. Est-ce que vous êtes venu voir des spectacles ou allez-vous venir voir des spectacles? Peut-être pas, non. Peut-être pas. Surtout pour les marins.